Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi, on est presque en vacances, presque, il nous reste une journée. On vient de rentrer d'école, voilà, regardez. Samy est en train de manger un petit goûter, quoi, avec du pommes. Moi, de même, j'ai bien un peu de pommes, voilà, regardez. C'est la régalouse. Et Amira, aujourd'hui, elle a mis la robe. Et avec la robe, elle a mis quoi? Elle a mis, regardez, des chaussettes de trampoline park. Tu vas où comme ça là en fait? Dans ma copine. Voilà, en fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de sa copine. Du coup, elle a mis la petite robe quoi. Et son anniversaire c'est où exactement? C'est au Trampoline Park. C'est pour ça qu'elle a mis les chaussettes de Trampoline Park, hein, n'est-ce pas? Un peu lui, il a la route à faire. Parce que c'est à combien à peu près de route? 30 minutes ou 40? Faut décider. Parce que t'as une fois qu'il te dit 30 minutes, une fois qu'il te dit 40 minutes, et une autre fois il va te dire 2 heures. On sait pas où aller là. On sait pas, voilà, on sait pas. Déjà elle est un peu en retard déjà là. De toute façon, 30 ou 40 minutes de route, c'est pas grave, ton caméra s'amuse avec sa copine et ses copines. Et qu'elle mange le petit gâteau, c'est pépouze. Hein. Bon, faut manger un peu plus vite, hein, chef, je crois. D'ailleurs, vu que c'est l'anniversaire de quelqu'un et de sa copine, bah, pour donner. Ouais. Ouais, j'ai vu. Vu que c'est son anniversaire à sa copine, bah, bien sûr, faut bien ramener un cadeau. Et du coup, regardez le cadeau qu'elle a pris à Mira. Voilà, c'est un petit sac cadeau comme ça. Ouais, franchement, il est stylé. Il est vraiment beau. Moi, je le trouve très beau, moi. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je le trouve vraiment très beau. Non, ça. Pour sa copine, ça. Malade, je voulais prendre le sac, c'est un fou. Bref, voilà, dans un petit sac mini. Ouais, t'inquiète, je vais le poser, regarde, je le pose là, regarde. C'est juste pour montrer, hein. Et ensuite, il y a des chaussures qu'elle va mettre. De toute façon, les chaussures, on s'en fiche un peu. Hein. Pendant 3 heures, ils sont pas là. Du coup, papa, il a fait quoi? Il a déjà préparé le tagine pour de ce soir. Regardez. Voilà, tagine aux pommes de terre. Ouais, c'est déjà préparé comme ça, après ils ont juste à rentrer, quand ils vont rentrer, ils auront juste à, tu vois, à le mettre sur le petit truc là-bas dehors et c'est bon. Hein. Regardez, ça fait les petites tresses. Montre la tresse, Amira. Oh là 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 là. De toute façon, je crois pas qu'elle va rester longtemps, la tresse. Hein. Elle va pas terminer. Ah, elle doit mettre un petit nœud, voilà. Oh là là, c'est beau. Attends, regarde, Amira, attends, bouge pas, parce que t'as encore du chocolat là. Attends, voilà, laver le visage. Hein. Son petit sac, oh là 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 là. Franchement Amira, t'es belle aujourd'hui. T'es vraiment belle. Ça se voit que tu vas à l'anniversaire. Ah ouais. Allez, non, laisse-le comme ça. C'est pas grave Amira, il y a marqué quoi là? Il y a marqué quelque chose. Allez, on y va, sinon ton petit cœur. Bref, vas-y, vous êtes déjà en retard là. Waouh, regarde quoi? Attends. Regardez les amis comme... Oh là, t'as mis le rouge à lèvres aussi. Photo. Ah, tu vas mettre une photo, on va faire une photo. Ok, regarde ce qu'elle a fait, Amira. Elle a fait un tatouage. Waouh, c'est joli ça. Waouh, regarde, il y a plein de dessins. Oh, joli. Amira. Et voilà, on est le lendemain de hier. C'est sûr qu'on va pas être le lendemain de demain. Voilà, ça n'a pas de sens. Et Amira, du coup, ben, elle a eu le temps de savourer l'anniversaire de sa copine. Voilà, Amira, n'est-ce pas? Elle a perdu ses mots, n'est-ce pas, Amira? Oui. Tu t'es amusée? Oui! Voilà, c'est parce que je me disais, parce que franchement, hier, quand elle est rentrée, elle était toute contente. Hein. Elle voulait continuer à sauter. C'est vrai, tu voulais sauter. Hein. T'as fait quoi? T'as fait du trampoline? T'as mangé le gâteau? J'ai pas sauté du trampoline. Non, mais t'as fait du trampoline. T'as fait quoi? Mais hier, tu m'as dit que t'as fait du trampoline. J'ai dansé. Ah, bah oui, mais normal, t'as dansé. D'ailleurs, papa! Ouais. J'ai pas oublié ce que tu m'as dit tout à l'heure là. Ouais. Papa il m'a dit quoi? Il m'a dit venez. Il m'a dit venez, on va goûter ce fruit là. Ouais, comme quoi, à ce qui paraît, on n'a jamais goûté ça. En vrai, moi j'ai jamais mangé de kaki de ma vie. Et je savais même pas qu'est-ce que c'est du kaki. Pour vous dire. Allez, allez. Ça goûte quoi? Oh, c'est bon, c'est sucré. On va couper. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites? On va manger du kaki en fait. Vous avez jamais goûté, bon, c'est vrai. Mais toi, t'as déjà goûté, toi? Non, j'ai déjà goûté. Ça goûte quoi, le kaki? Je vais re-goûter avec vous. Je pense à... Tiens, Amira.
Regarde, tu manges quoi avec la peau? Regarde, Amira. Non, mais tu manges avec la peau comme une poule. Regarde, tu fais ça. Bah si, tu manges avec la peau, je crois. Donne, je goûte ça, avant, mais... Donne-moi, Amira. Bon, les amis, on va goûter. Ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Non, mais je vais pas tout manger, je vais goûter d'abord. Trop beau, hein. Et toi, Rami? Non, je vais pas goûter. Hein? Goûte! Pas vraiment de goût, en fait. C'est bon. C'est juste la... C'est trop bon! C'est un peu un goût de poire mélangé. Adèle, elle a jamais mangé, elle a jamais goûté, mais elle a c'est goûté. Un goût de poire mélangé avec du melon. Tu vas pas mourir, Samy. Ouais, je te jure, c'est un goût de poire mélangé avec du melon. C'est vrai, hein. On le voit. C'est un goût de melon. Samy! Non, tu t'abuses, hein. Regarde, Amira. Franchement, regarde, Amira. Elle se régale. Amira, tu te régales, hein. Tiens, mange. Samy, là, franchement. Hey, mais c'est quoi ce goût à la fin? Là, elle est bonne. C'était bon au début. Et là, d'un coup, ça a eu un goût de Jelly Belly vomi. Non, c'est horrible. Arrête. Arrête. Mais Samy, franchement. Non, vous voulez. C'est un fruit exotique, non? Mais la Mira. C'est un fruit exotique, hein? Non. La Mira, elle est trop forte, hein? Non, j'ai plus rien du tout. J'exagère, hein? J'exagère vraiment, hein? Moi, je veux. Termine Amira, termine ça d'abord, termine ça. Je crois qu'en fait c'est la peau. Hein? Pas obligé de manger avec la peau. Non, pas obligé de manger avec la peau. Ça va, vous savez. Si tu manges ça, je te donne ça. Non, mais vraiment, par contre, c'est bizarre. Là, je te le donne pas. Au début, c'était vraiment bon. Moi, je le mange gratuit. Hein. Au début, c'était vraiment bon. Et à la fin, ça goûte Jelly Belly au vomi. Je comprends pas, j'ai rien compris. Adèle, je suis de 10 euros. 10 euros ou pas, c'est vrai? Ouais. Je mange quoi? Tu manges tout, je te donne 10 euros, tu vas acheter le bubex là que tu achètes à chaque fois. Maman, tu as la cloche sur internet là, comment ça s'appelle? Maman. Comment on appelle ça? Pas des jeux? Maman. Voilà. Maman, je pas tout ça. Maman. Tiens. Bah tout. Ça. Bah si. Non, tout. Un bout, pas tout ça. Non, pas un bout. Hein. Bah, non. Ça se fait pas. Rien au monde ne pourra détrôner les grabs. Voilà. C'est vraiment incroyable ça, tu vois. Faut les laver. Et en plus, non mais regardez. Oh, regarde, c'est bien. Bah oui, faut les laver. Ah. Ouais, ben. Cherche quoi? Des glaces au chocolat là, sont les glaces à la fraise. Ah voilà. Moi j'aime les glaces. Amira l'a pris. Oui, bon Amira, pas nous, hein. Genre là, elle a pris la glace, elle va tout manger. Je crois pas qu'elle va tout manger. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Tu vas tout manger? Non, mais je coupe ma main. T'es sûr? Non. T'as vu comment je fais, vous? Pendant la peau, non, mais j'avais froid, moi. Là, les nuages, là. Oh là, t'as les cartes postales. C'est beau. Oh là. Qu'est-ce que vous faites? A few moments later. Là, il y a papa qui est parti se reposer dans sa chambre. Il en peut plus. Il est calé sur le lit. Il a trop travaillé, je pense. Ce qu'on va faire, nous, c'est ça. On perd pas de temps. On va faire un petit prank. Un petit prank ou un grand prank? C'est à toi de choisir. Voilà, on va faire un grand prank, il va être géant le prank. On va faire croire qu'Amira est tombée dans les escaliers. Et bien sûr, je vais pas vraiment faire tomber Amira. C'est ça que je vais faire tomber. Cette belle petite voiture rouge, Mickey ou Mini, je sais même pas. En plus, il y a même un petit coffre. Ah, Mini, il y a même un petit coffre qui s'ouvre. Du coup, je vais faire tomber la petite voiture. Et quand la voiture s'est tombée, il faut qu'Amira elle crie. Montre-nous comment tu cries, toi. D'ailleurs, important, hein, faut que l'actrice Amira se joue, se mette en scène. Du coup, Amira, montre-nous comment tu vas faire. Montre-nous ta position quand tu vas te voir. Ça, c'est la position de Amira. Du coup, tu vas être comme ça, là. Comme ça. Ah, franchement, c'est parfait. Je te jure, c'est carré. Dès que tu trouves la voiture, tu cries, ok? Ok. Et après, tu t'en vas direct. T'es prête? Allez. 3, 2, 1. Hein? T'es tombé? Hein? T'es tombé?
tombé comment? Tu es tombé de là-bas? Oh, t'as mal? T'as mal de vous pas? Où ça? Où? Attends, attends, attends. C'était une blague! Il a cru, il a eu peur. Bravo Amira, très bon rôle d'actrice. Hein. Tu devrais signer à Hollywood, franchement. Non, mais sérieux là. Non, mais elle est forte. Hein. Elle fait peur comme ça aux gens. Hein. En vrai. C'est bon, arrête, c'est bon. En vrai, ça va, je pensais qu'elle prend encore plus mal, moi. Hein. Parce qu'en fait, j'étais en train de dormir. C'est une blague, papa. C'est une blague, papa. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est une blague. Mais là, papa, depuis, il est parti dehors là. Fallait lui dire avant que c'était une blague. Non, mais j'ai vu ton diamant, mais il fallait dire avant que c'était une blague à papa. Hein. Pas maintenant. Bref, sur ce prank éclaté au sol qui était bien nul, on se laisse les petits potes, on vous dit à la prochaine, mettez des pouces bleus, ciao ciao.